DSIT Productions présente 2 minutes 22 pour comprendre la transformation numérique d'EDF. La fabrique est la porte d'entrée numérique de la DSIT. La fabrique et la direction innovation ont créé l'atelier afin de favoriser l'émergence et la concrétisation des idées ainsi que la transformation numérique au sein de la DSIT. Aujourd'hui, découvrons ensemble les principaux services de l'atelier. Claire a envie d'innover dans son quotidien et, à son échelle, de contribuer à la transformation numérique du groupe, de sa direction, de son département ou de son métier. Mais elle ne sait pas comment faire et vers qui se diriger. Elle souhaiterait donc en savoir plus. Question 1. J'ai entendu parler de l'atelier. C'est quoi ? Encore un nouveau dispositif ? Ce n'est pas un nouveau dispositif. On va t'expliquer. L'atelier est animé par les équipes de l'innovation et de la fabrique. Elles accompagnent ta sensibilisation au numérique et te feront connaître de nouveaux usages et méthodes de travail. Elles favorisent l'émergence et l'accompagnement de tes projets numériques. Elles t'aident notamment à développer tes projets dans un environnement ouvert en expérimentant et en co-construisant aussi bien avec des partenaires internes que des partenaires externes comme des start-up ou des incubateurs. Question 2. C'est super. Et ensuite, vous allez développer mon projet, c'est bien ça ? Non, on va t'aider à le réaliser. L'atelier te propose un accompagnement de bout en bout de tes projets, de l'émergence jusqu'à leur déploiement. Pour cela, différents leviers sont à ta disposition. La recherche d'expertise nécessaire à la réalisation, des challengers bienveillants qui t'aideront à faire mûrir ton idée, des moyens pour valoriser ton projet ou encore la recherche d'un financeur. En somme, avec l'atelier, la transformation se concrétise. Question 3. J'ai très envie de vous rencontrer. Comment ça se passe ? C'est simple. L'atelier, c'est un ensemble de lieux d'innovation présents dans tout le territoire, partout en région et notamment à Nanterre. N'hésite pas à passer nous voir. Comme Claire, ce sujet vous intéresse et vous souhaitez échanger ? Écrivez-nous. Pour cela, une seule adresse, l'atelier@edf.fr.